Encuentro. Je remercie Monsieur le Président. Rebonjour. Monsieur le témoin, je poursuis mes questions ce matin. Nous étions en train de parler de Tassot lorsque la pause est arrivée. Et je voudrais en revenir quelques secondes à Pang, dont nous avons également parlé. Au cours de votre interrogatoire en 2009, l'enquêteur a évoqué l'arrestation de Pang. Est-ce que vous-même, vous savez dans quelles conditions Pang a disparu? Est-ce que vous connaissiez le chauffeur de Pang? Je vous pose cette question, monsieur le témoin, parce que nous avons une déclaration versée au dossier de Tassot que vous avez indiqué avoir connu comme ayant travaillé à K12. Et je voudrais vous citer un passage de sa déclaration. Il s'agit du document E3-464. Et le RN en français et le 00503-947. Le RN en Khmer est le 00357. Le RN en Khmer est le 00204741. Et le RN en anglais est le 00226109. Et dans ce document, à cette page-là, en français, il s'agit de la deuxième grande réponse de Sot, quasiment à la fin du paragraphe. Et dans ce paragraphe, que je demande de pouvoir afficher en Khmer pour que le témoin puisse suivre, avec l'autorisation de M. le Président. Donc voilà ce que dit Tassot à propos de la disparition de Pang. Un jour, le conducteur de Pang m'a dit que ce dernier est mort, tué par des balles de bandits de grand chemin parce qu'il était allé récupérer des marchandises comme des petits motoculteurs des bateaux des Coréens dans le port de Kampong Som. Il est mort à un endroit qui est situé entre Srae Ambel et Vilrin. En 1976, Ken alias Lin a remplacé Pang. Fin de citation. La question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu ce récit des conditions du décès de Pang, ou est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez?
Je vous remercie de ces précisions. J'en reviens maintenant à K3 et à votre travail auprès de Kyo Sampan. Est-ce que, à l'époque, M. Kyo Sampan avait un garde du corps? Et si oui, est-ce que vous vous souvenez de son nom? Est-ce que vous êtes sûr de ce nom-là ou vous pouvez le confondre avec une autre personne? Première question au sujet de Sun. Est-ce que il était en permanence avec Monsieur Kyo Sampan lorsque celui-ci se déplaçait? Vous avez évoqué vos déplacements à Karin et une fois à Kandal et à Takeo. Est-ce que le garde du corps vous accompagnait lors de ces déplacements? Excusez-moi. Apparemment, nous n'avons pas entendu votre réponse. En tout cas, dans la traduction, nous n'avons pas entendu votre réponse. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Alors, je voudrais une petite précision par rapport à Sun, parce que dans la traduction en français que j'ai de votre déclaration, il y a un point que je ne comprends pas, donc je voudrais que vous précisiez. Donc, c'est votre déclaration E3-385, l'URN en français, le 00 02 549, le RN en Khmer est le 00 357215 et le RN en anglais est le 00 360132. Voilà la question qui vous est posée et là je vous prie par avance de m'excuser pour mon mauvais accent khmer. C'est la première question de la page en français. L'enquêteur vous demande, connaissez-vous Chun, Sam, le garde du corps de Kyo Sampan Sun, Thorn, Sarit, Thorn, Van et Khan? Et voilà la réponse que vous faites. Chun, je ne le connais pas. Sam, le garde du corps de Kyo Sampan, je ne le connais pas. Sun, je ne le connais pas. Thorn est mort. Sarit, je ne le connais pas. Donc moi, la partie qui m'intéresse est Sun. Je comprends, alors je ne sais pas si c'est du même que nous parlons et je vous demande la précision. Dans cette réponse, on comprend que vous ne connaissez pas Sun. Est-ce que c'est
la même personne à laquelle vous faisiez allusion en disant que c'était le garde du corps de Khieu Samphan? Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas interrompre ma consoeur, mais effectivement, il y a peut-être une question d'orthographe déjà en français. Dans cette question-là, on parle de Sun, S-O-E-N, et on se réfère à d'autres déclarations du témoin, alors à la page 4 en français, en anglais et en khmer, où on parle deux fois d'un autre, enfin d'un seul, je ne sais pas si c'est le même ou un autre. Là, on l'orthographie différemment. S-O-E-U-N. Alors, c'est sûr que monsieur le témoin pourra préciser, mais il me semble quand même que même dans la traduction en français, il y a une distinction qui est faite au niveau de l'orthographe de ces personnes. C'est précisément la raison pour laquelle je demandais à monsieur le témoin de nous éclairer. Je pense qu'il est le mieux placé pour apporter un éclairage devant la Chambre. Lorsque vous dites que vous avez habité avec lui, vous parlez de K3? Votre logement à K3? Toujours à propos de K3, vous avez évoqué lors de votre interrogatoire avec les enquêteurs du bureau de juge d'instruction. À propos des tâches qu'accomplissait Khieu Samphan tout à l'heure, je vous ai demandé est-ce que vous vous souvenez avoir vu M. Khieu Samphan accomplir d'autres tâches. Et je voudrais savoir si le passage que je vais vous lire vous rafraîchit également la mémoire. Toujours donc le document E3/385, 00, en l'URN en français, donc 00702546. Et l'URN en khmer et le 00357213 et le RN en anglais et le 00360130. Voilà la question qui vous est posée. Savez-vous si Khieu Samphan accomplissait d'autres tâches? Votre réponse est la suivante. Un jour, j'ai vu une personne apporter une lettre à Khieu Samphan à K3 pour demander sa signature pour une demande de livraison de matériel. Après, j'ai vu cette personne repartir avec la lettre pour aller percevoir le matériel au dépôt de l'État situé au bord du fleuve. Je ne connaissais pas la personne qui est venue solliciter la délivrance de matériel. À part cela, je n'ai vu personne d'autre venir demander la délivrance de matériel chez lui. Fin de citation. Ma première question est relative à la sécurité à K3. Est-ce que
N'importe qui pouvait rentrer dans l'enceinte de K3. Vous avez indiqué que c'était un grand endroit où il y avait 20 ou 30 maisons. Et est-ce qu'il était possible d'accéder facilement à K3 sans autorisation? Ou est-ce qu'il y avait des démarches de sécurité à faire? ហើយដល់រឿងលិខិតអនុញ្ញាតចេញចូលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទេខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំមកខ្លួនខ្ញុំមានសិទ្ធចូលបានតែខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងចឹងម៉េចដែរប៉ិនមានគេបើកទ្វារបិទទ្វារបិទសង្កសីហ្នឹងអារឿងលិខិតអនុញ្ញាតខ្ញុំមិនអាចមិនមានដឹងទេខ្ញុំអត់មានដែលឃើញគេមានលិខិតអីផង Deuxième question, est-ce que vous vous souvenez donc de la visite de cette personne-là par rapport à une livraison de matériel? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Je vous remercie de cette précision au meilleur de vos souvenirs. Un autre point que je souhaiterais aborder avec vous, est-ce que vous connaissez une personne du nom de Norn Sopang, alias Pang? Je suis désolée de l'accent, mais Norn Sopang, pour les interprètes, Sopang, c'est S-O-P-H-A-N-G. Et l'alias, c'est Pang, P-H-A-N-G. On est bien d'accord que ce n'est pas le même Pang dont nous avons évoqué le nom tout à l'heure et qui était au bureau 870. Il s'agit d'une autre personne. Je suis désolée si je vous demande cette précision, mais c'est que nos accents en français ne permettent pas forcément de faire la distinction. Parfait. Et donc, Pang, P-H-A-N-G, quelle était sa fonction durant le régime du Kampuchea démocratique, si vous le savez? Est-ce que vous connaissez l'école primaire Soteros qui se trouvait non loin de K1? Et tout d'abord,
première précision pour qu'on soit sûr qu'on parle de Nam Sopang. Est-ce que le nom de Nam Sopang vous dit quelque chose en soi? Ou est-ce que c'est seulement Pang, P-H-A-N-G, qui vous dit quelque chose? Et vous dites que le Pang dont vous parlez, est-ce que vous ne savez pas quelle était sa fonction, c'est ça? D'accord, juste un dernier point sur Nam Sopang. Nous avons un dénommé Nam Sopang qui est venu déposer devant cette chambre, notamment à l'audience du 5 septembre 2012. Et lui était en responsable du bureau qui s'occupait des télégrammes. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que vraiment vous ne savez pas ce dont il s'agit? Donc, Nam Sopang, à l'audience du 5 septembre 2012, le PV a les références suivantes, E1-122.1, et donc le 5 septembre 2012, à peu près, après 14h20, Nam Sopang indique « Mon bureau se trouvait dans l'école primaire Soteros, et le bureau des dirigeants se trouvait à K1. » Dans le même PV, il ajoute un peu plus loin qu'il situe la distance entre son bureau et K1, environ 1 km. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu connaissance de ce bureau dans lequel travaillait Nam Sopang? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, parce que Nam Sopang, lui, ne dit pas qu'il travaillait à K3. Est-ce que vous savez s'il y avait un autre service à K3 dans lequel Pang, selon vous, travaillait, Sopang l'a travaillé? ខ្ញុំអត់ដឹងទេអានឹងខ្ញុំរឿងការងារខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំតូចតែខ្ញុំចាំបានយូរឆ្នាំប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអត់ដឹងហើយក្នុងចម្លើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ដឹងតែបើស្គាល់ស្គាល់ដឹងថាឈ្មោះផងធ្វើការងារអីខ្ញុំដូចមិនមានដែលឆ្លើយថា Mais vous-même, monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais travaillé avec
le Pang en question et est-ce que vous avez jamais visité le bureau dans lequel il travaillait, l'endroit dans lequel il travaillait? Donc si je comprends bien, vous ne savez pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison qu'il occupait. C'est bien ça? Et au cours de votre déclaration devant les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, toujours à la même page, mais à la question précédente, donc ERN en français 00702546. ERN en Khmer 00357213 et ERN en anglais 00360130. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur. Quand vous étiez le chauffeur de queue sans pan, avez-vous porté des lettres? Votre réponse est la suivante: jamais. J'ai reçu une fois une lettre de Pang destinée à Khieu Samphan qui était en train de se reposer. Mais je ne savais pas ce que c'était comme lettre. Il m'est arrivé de porter une lettre de Pang pour la remettre au bureau K1, mais je ne connaissais pas la teneur de cette lettre. Fin de citation. Ma question est la suivante. En dehors de ces deux événements, avez-vous jamais transporté du courrier pour Pang ou pour Khieu Samphan? Mais est-ce que vous confirmez que cette remise de lettres ne s'est effectuée qu'une seule fois pendant que vous avez travaillé avec Monsieur Khieu Samphan? ខ្ញុំនៅខាងក្រៅនោះគាត់អាចផ្ញើទុកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងជាប្រមាណដងដែរខ្ញុំមិនចាំទេនោះ. Dans votre déclaration aux enquêteurs, vous avez indiqué une fois. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y en a eu d'autres? Ou est-ce que c'était la seule fois? Encore une fois, mes questions, c'est simplement ce dont vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer. C'est une question précise. Si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'extrapoler.
Très bien, je voudrais maintenant passer à une autre période, c'est-à-dire la fin de votre travail auprès de M. Kusampan, enfin en tout cas le moment où vous avez fui le Cambodge. Tout à l'heure, vous avez indiqué que votre travail a pris fin au moment où vous avez fui l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979. Est-ce que vous vous souvenez de la date précise du moment où vous avez quitté Phnom Penh? Alors, sans vous souvenir de la date, est-ce que vous vous souvenez des conditions dans lesquelles vous avez fui? Est-ce que c'était le matin? Est-ce que c'était le soir? Et est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé pendant la journée avant votre départ? Est-ce que vous vous souvenez quels ont été les préparatifs pour partir? Est-ce que vous êtes parti seul? Et savez-vous où était la femme de Khieu Samphan dont vous avez indiqué qu'elle travaillait également à K3? Est-ce que vous vous souvenez si pendant la journée avant la fuite, vous avez rencontré la femme de Khieu Samphan? Est-ce que vous l'avez vue ce jour-là, dans votre souvenir? Je vous pose ces questions, monsieur le témoin, parce que madame Sotchat, la femme de Khieu Samphan, a déposé devant cette chambre le 10 juin 2013 et un petit peu après 15h44. Elle indique que le jour de la fuite de Phnom Penh, Monsieur Khieu Samphan et a priori vous-même l'auriez amené avec ses enfants à la gare pour prendre le train.
Est-ce que vous souvenez de cet épisode ou est-ce que ça ne vous rappelle rien? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez passé la journée du 6 janvier, la journée de votre départ, puisque vous ne vous souvenez pas de cette date? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez passé la journée de votre départ avec M. Kyo Sampan? Ou est-ce que vous ne l'avez vu que à la fin de la journée? Monsieur le témoin, dans la traduction en français, nous avons un problème, nous n'avons pas compris la dernière partie de votre réponse. Est-ce que vous pouvez préciser? Ma question était la suivante. Est-ce que la journée de votre départ de Phnom Penh, est-ce que vous avez passé la journée avec Kyo Sampan ou pas? Ou est-ce que vous ne l'avez vu que le soir, au moment où vous avez quitté Phnom Penh? Quand vous dites que vous étiez près de lui, près de la maison dans laquelle il était, vous voulez dire que vous étiez dans la maison que vous vous occupiez à l'époque, qui était à une dizaine de mètres de sa maison à lui, c'est bien ça? C'est bien ce que je dois comprendre? Est-ce que vous savez si ce jour-là, Monsieur Kyo Sampan serait sorti avec ou sans vous? Est-ce que vous vous en souvenez? D'accord. Et la veille de... juste un point. Est-ce que dans la matinée de ce départ, est-ce que vous avez conduit M. Kyo Sampan à une réunion? Est-ce que vous vous souvenez de cela? J'en viens maintenant au jour d'avant votre départ de Phnom Penh. La veille de ce jour-là, est-ce que vous vous souvenez
avoir conduit que son Pang à une réunion à Boraikila. Je vous dis ça, monsieur le témoin, parce que à cette barre, deux témoins sont venus déposer. Il s'agit du témoin Sim Ao, qui a déposé le 13 juin 2013, et du témoin Rosoy, qui a déposé le 25 avril 2013. L'un et l'autre de ces témoins décrivent différemment, mais décrivent une réunion en date du 5 janvier 1979, c'est-à-dire la veille du départ. Est-ce que vous vous souvenez, encore une fois, avoir conduit M. Khieu Samphan à une telle réunion? Pour les besoins de la Chambre et des parties, je rappelle que cette réunion a été abordée par le témoin Sim Ao, donc à l'audience du 13 juin 2013. Un petit peu après 14h26, et par le témoin Rosoy, à l'audience du 25 avril 2013, un petit peu après 11h35. Je voudrais citer encore une fois un passage de votre déclaration devant les enquêteurs, les juges d'instruction, E3-385, et c'est le RN en français 00-702-548. Le RN en Khmer et le 00-357-215, et le RN en anglais, et le 00-360-132. Voilà la question qui vous est posée ce jour-là. Quand avez-vous conduit Khieu Samphan pour fuir Phnom Penh? Votre réponse est la suivante. Le 6 janvier 1979, j'ai conduit Khieu Samphan hors de Phnom Penh vers 19h. Nous sommes allés nous reposer à Pursat. Khieu Samphan a rencontré Pol Pot et Nguyen Chia au bureau provincial de Pursat. Ensuite, j'ai emmené Khieu Samphan à Battambang et jusqu'à Pailin. J'ai été séparé de lui en avril 1979. Fin de citation. La première question est la suivante. Dans cette déclaration, vous évoquez la date du 6 janvier 1979. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous maintenez que vous ne vous souvenez plus de la date, ce qui est tout à fait possible? Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, j'ai entendu en français 6 avril 1979. Est-ce que vous pouvez repréciser la date? Je vous remercie de ces précisions. Un dernier point, puisque vous avez côtoyé M. Khieu Samphan pendant ces quelques mois où vous lui avez servi de chauffeur, est-ce que vous pouvez décrire brièvement son comportement avec vous et sa personnalité? បាទបានតែខ្ញុំពលនីគាត់គឺជាមនុស្សមួយស្លូតបូតសុភាពរៀបសារគឺមិនដែលឃើញថាមានខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំដឹងតែរយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាគាត់ស្លូតបូតសុភាពរៀបសារមិនមានអីដែលឃើញគាត់ទៅចាត់ចែងអីណាមកគឺគាត់លឺតែក្នុងវត្ថុប្រកាសគាត់ថាប្រមុខរដ្ឋហើយប្រមុខរដ្ឋពេលនោះគឺគាត់អត់មានឃើញចាត់ចែងអីទាំងអស់តែពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំដឹងថាប្រមុខរដ្ឋ ចាត់ចែងប្រទេសដែលដល់ពេលអញ្ចឹងអត់តល់អញ្ចឹងសំបីតែចៅក្រមនឹងសួរខ្ញុំថាប្រមុខរដ្ឋអត់មានអំណាចហើយខ្ញុំថាដែលខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចឹងវិញដែរប៉ុន្តែក្នុងនឹងអត់មានចម្លើយក្នុងនឹងអត់មានឆ្លើយទេខ្ញុំថាដែលគាត់ប្រមុខរដ្ឋពេលនោះគឺគាត់អត់មានអំណាចអញ្ចឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនិស្តហ្នឹងនេះតែខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមយល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុ
Parce que en même temps, on vous a entendu donner des indications quant au contenu de certains équipements que l'on pouvait trouver dans la maison. Vous avez dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de bureau. Vous avez dit qu'il y avait un téléphone. Vous avez donné la description de certains meubles qui auraient garni cette maison. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, tout en n'ayant pas visité la maison, vous pouvez décrire ce qu'il y avait à l'intérieur? Une autre question. Vous avez déclaré que, à certaines occasions, vous avez qualifié de rare, vous avez conduit Khieu Samphan en dehors de Phnom Penh. Pour reprendre vos propres mots, vous avez dit dans les alentours de Phnom Penh. Vous avez également conduit M. Khieu Samphan dans Phnom Penh. Est-ce que monsieur, lorsque vous aviez à conduire M. Khieu Samphan, vous deviez avoir sur vous des autorisations particulières. Est-ce que vous faisiez l'objet de contrôle pour savoir qui était dans la voiture et où vous alliez? Je repose ma question. Est-ce que vous avez été contrôlé? Est-ce qu'on vous a demandé des autorisations pour aller dans certains endroits? Parce que quand vous êtes allé en dehors de Phnom Penh, on vous a demandé des autorisations. Une autre question. Vous avez décrit le véhicule utilisé M. Khieu Samphan. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce véhicule, les véhicules utilisés par d'autres dirigeants, avaient des plaques d'immatriculation? ให้ก่อนเหมือนบัดบังไอ้พังจีน
il y a peut-être un problème d'interprétation. Est-ce que vous pouvez me dire si le véhicule utilisé, M. Kyo Sampan, avait une plaque de matriculation? Je ne demande pas s'il était caché ou visible, je demande simplement est-ce que ce véhicule avait une plaque d'immatriculation? Est-ce que vous avez vu d'autres véhicules qui avaient des plaques d'immatriculation? Ou est-ce que vous n'avez jamais remarqué qu'il y ait eu des plaques d'immatriculation sur les véhicules utilisés pendant le Kampuchea démocratique? Un témoin que nous avons entendu récemment a fait état d'un véhicule qui avait une plaque d'immatriculation avec inscrit en rouge les mots M870. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Voilà, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie. Juste, excusez-moi, Monsieur le Président, pour les besoins de la transcription, le témoin auquel vient de faire référence, Monsieur le juge Lavergne, dans le cadre de sa réponse à mon confrère Arthur Verken, quand il l'interrogeait sur l'inscription, avait précisé que l'inscription qu'il a vue était M70 et non pas M870. C'était juste pour les besoins de la transcription. តើមានហេតុផលអ្វីបានជាលោកចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ក្នុងសម័យកាលនោះ?
ក្នុងសាលាតាមភូមិក្រុមផ្ទះហ្នឹងថាអញ្ចឹងរៀនទៅគេប្រសួរទៅក្រុមកុមារហ្នឹងណាចង់ចូលជួក្នុងបម្រើបដិវត្តន៍ឆ្នាំហ្នឹងតោះអញ្ចឹងគេត្រូវអញ្ចឹងជាលើកដៃតាមគ្នាទៅជាថាមកទៅទៅពេលខ្លះទៅប្រធានភូមិសម្រេចអត់មកពេលជាមួយខ្ញុំហ្នឹងមានអត់មកច្រើនដែរតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកឪពុកម្តាយខាត់ហើយបានជាមកបាទតែនៅពេលនោះអង្ការឬក៏មេភូមិហ្នឹងបានបញ្យល់ប្រាប់លោកយ៉ាងដូចម
ខ្ញុំសូមលោកជាបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាគេប្រើកុមារដែលមានវ័យអាយុទើបតែ10 11ឆ្នាំឬក៏លើសទី2ឲ្យធ្វើការងារដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតើអង្គការបានពន្យល់ហេតុផលអ្វីខ្លះដែលបានមូលហេតុដែលគេធ្វើការងារបែបនេះជំរុញឲ្យកម្មកុមារធ្វើការងារដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ បាទកាលនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរគឺឲ្យធ្វើបើធ្វើបើយើងធ្វើរួចក៏ធ្វើតែបើអត់ធ្វើរួចតាមដំណើរហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដឹងថាដែរគេបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងដែលទៅធ្វើពលកម្មក្នុងក្រុមខ្ញុំចំពោះខ្លួនខ្ញុំហើយនៅកុមារដែលនៅកងជាមួយគ្នានោះដែរអត់មានដឹងថាគេបង្ខិតបង្ខំអីផងទៅធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តគេប៉ិនតែមានកងគេប្រាប់យើងទៅធ្វើនេះដាក់ផែនការប្រជុំល្ងាចហ្នឹងដាក់ផែនការទៅធ្វើការប៉ុន្តែឲ្
សូមក្រោកឈរ